Ça Bon, marche. alors parfait. On va placer les deux mains dans cette position, les mains jointes ensemble, les paumes de main collées à la hauteur des yeux. On peut même avancer les mains devant nous maintenant. Et on regarde nos mains, on regarde nos pouces. Et serrez les mains maintenant. Serrez. Continuez de serrer les mains. Maintenant, fermez les yeux. Et serrez les mains. Vos mains se collent et se collent de plus en plus, de mieux en mieux. Tellement collées, tellement soudées, vos mains resteront coincées à mon signal. Nous prenons contact ensemble et vos mains se collent toujours de plus en plus, de plus en plus fort. Tellement collées, tellement soudées, vos mains sont collées, soudées. Au compte de trois, il sera pour vous impossible de les bouger. Vos mains resteront coincées dans cette position à mon signal. Alors avec le un, vos mains collent maintenant, impossible de les séparer. Avec le deux, vous les sentez se coller de plus en plus, de mieux en mieux, impossible de les séparer. Et avec le 3, vos mains ne bougent plus, coincées dans cette position. Impossible pour vous de les séparer, peu importe ce qui se passe. Même si vous essayez, vos mains restent toujours coincées, collées, soudées. Allez-y, essayez, mais ça ne bouge plus, coincées dans cette position. Allez-y, forcez. Essayez, mais ça ne bouge plus, coincées, collées, soudées dans cette position. Impossible de les bouger, impossible de les séparer. Ça ne bouge plus, coincées, collées, soudées dans cette position. Maintenant, on va aller plus loin. Même les yeux ouverts, vous allez remarquer que vos mains restent toujours coincées, collées, soudées dans cette position. Allez-y, essayez, mais ça ne bouge plus. Coincées, collées, soudées dans cette position. On a plusieurs bons sujets ici maintenant à l'assistance. Coincées, collées, soudées. Allez-y, essayez, mais ça ne bouge plus. Coincées dans cette position. Maintenant, fixez encore une fois vos mains. Fixez vos mains. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez-vous. Et vous sentez votre tête qui devient lourde et pesante. Dormez, dormez de mieux en mieux, de plus en plus, dans un monde de rêve et d'imaginaire. Vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus, dans un monde de rêve et d'imaginaire. Et voilà, fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous. Inspirez, expirez. Votre tête est lourde et pesante, et vous commencez à dormir, assis à votre place. Vous ne sentez plus votre corps, vous allez rentrer dans un monde hypnotique somnambulique sans vous éveiller maintenant avec le 1, le 2. Et le 3, dans un monde de rêve et d'imaginaire, vous dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Restez dans cette position, impossible de bouger pour vous. Vous êtes en condition hypnotique, somnambulique. À mon signal, vous allez vous imaginer assis dans votre fauteuil, devant la télé, chez vous, en train de dormir. Vous allez prendre place, comme vous le faites, dans votre fauteuil pour dormir. 1, 2, 3, bougez. Vous êtes chez vous, dans votre fauteuil, et vous dormez. Vous avez la manette dans les mains, et vous dormez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Une émission de télé qui joue là. Elle vous dérange, cette émission. Vous voulez changer de canal maintenant. Allez-y. Changez de canal. Changez de poste. Allez-y, on change de poste. Allez. Les piles ne fonctionnent plus. Tentez de faire fonctionner la manette. Allez. Les piles ne fonctionnent plus. Ça vous agace. Ça vous agace de plus en plus. Allez-y. Ça vous agace. Vous demandez à la personne qui a changé les piles pourquoi elle n'a pas changé les piles. Pourquoi elle a mis des piles, des vieilles piles. Demandez-lui. Parlez-lui. Allez, elle vous entend. Parlez-lui. Il n'y a plus de piles. Plus fort, allez, plus fort, il ne vous entend pas. Il n'y a plus de piles. Allez, plus fort, elle est dans la cuisine, cette personne. Il n'y a plus de piles. Alors maintenant, vous allez remonter au conscient facilement avec le 1, le 2 et le 3. On remonte. On prend contact avec la réalité. Ah, non. Ouais, ça n'a pas marché. Non, mais avec vous, oui.